أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. J'attendais l'avril. Hein? Merci. On est fait Rajab. Rajab min ashhur al-hurum. Allah subhanahu wa ta'ala قال في سورة توبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات منها أربعة الحرم. الأربعة الحرم لي كات مساكري في الإسلام لي كات مساكري سون ذو القعدة ذو الحجة نعم رمضان ذو القعدة ذو الحجة زد محرم ورجب الفرض. ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب الفرض. وعلى رجب الفرض رجب العنوان. ذو القعدة سي لو موا كي بريسيد الحج. ذو الحجة سي لو موا دو الحج. ذو المحرم سي لو موا كي سوكسيد او موا دو الحج. En fait les Arabes c'est avant même il y a enfin je dirais même aujourd'hui même jusqu'à très récemment, nous étions toujours en temps de guerre. Hein? Donc il faut toujours faire très attention. Quand vous regardez les villes avant, elles étaient toutes fortifiées. Vous parlez de moi, hein? Vous allez à Avignon, c'est très fortifié encore, vous avez les murs. Donc les villes étaient fortifiées. Pourquoi? Parce qu'on craignait les attaques des étrangers. Quelqu'un qui vient, il attaque la ville, et puis voilà. Donc l'Arabe, c'est-à-dire que ces mois-là étaient sacrés et qu'on ne pouvait pas faire la guerre pendant ces mois-là. Si quelqu'un se faisait attaquer pendant ces mois-là, toutes les tribus de la presqu'île arabique lui déclaraient la guerre. Ok ? Voilà, les mois, c'était un mois pour aller à la Mecque, c'est-à-dire Dhul Qa'da, le mois du Hajj, Dhul Hijja, et un mois pour revenir. Et en dehors de ça, il y a Rajab. Rajab que les Arabes considéraient comme Shahr al-Haram. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que Rajab, un Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est le mois où il y a eu l'Isra ou le Mi'raj. Vous savez ce que c'est l'Isra ou le Mi'raj? C'est le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Jérusalem, dans le Qadsi Sharif. Thumma urja bihi l'as-sama, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé jusqu'au 7e ciel. Il lui a donné, comme disent les ulama, un cadeau extraordinaire. Vous savez ce que c'est ce cadeau? C'est le salat. Le salat, l'ati hiya Mi'raj al-Ruh. C'est-à-dire quand tu fais la prière, c'est ton âme qui voyage au 7e ciel. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ton âme qui voyage au 7e ciel. Et à un moment donné, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Sidrat al-Muntaha, indaha Jannat al-Ma'wa. À un moment, Jibril, il lui dit, moi je passe pas, je m'arrête là. Le prophète lui dit, je pars tout seul. Il dit oui. Anta idha abarta, ihtalaqta, wa ina idha abart, ihtalaqta. Donc si toi tu passes, si toi tu traverses, tu passes. Et si moi je traverse, je me brûle. C'est ce que lui dit Jibril. Fadhahab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a vu son Allah subhanahu wa ta'ala? Aisha taqulu na'am. Lakin kathir min as-sahaba min Ibn Abbas yaqulu lam yara Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma dhahaba Rasul sallallahu alayhi wa sallam vers Allah subhanahu wa ta'ala, كيف كان الحديث? C'était quoi le dialogue? Le hadith, vous savez quel était le dialogue entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète, le ma'arij bihi? Tahiyyatu lillah, tayyibatu lillah, salawatu lillah. الله سبحانه وتعالى يدي السلام عليك أيها النبي. الخوف يدي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Et nous nous reproduisons ça à chaque prière. En fait, à chaque prière, les frères, si quelqu'un il met bien son esprit, son cœur dans la prière, في قراءة الفاتحة, dans التشهد, dans الصلاة الإبراهيمية, c'est toujours la centralité. الصلاة الإبراهيمية, c'est la centralité de la prière. Et notre arrière-grand-père qui nous a indiqué le chemin par Allah subhanahu wa ta'ala. On reviendra sur le fait d'Ibrahim, inshallah, dans une Jumu'ah prochaine, bien sûr. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est allé là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala farada alayh 50 salat, fa hiya 50 wa hiya 50 salawat, vous connaissez ça. Mais regardez, à chaque fois qu'on fait la prière, qu'est-ce qu'on reproduit? On reproduit l'élévation de notre âme vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que quand tu fais la prière, quand tu fais la prière, il y a un apaisement qui descend sur toi. Pourquoi? Parallèlement,
c'est Ruhuk al-Ghaybiya qui est invisible et monté vers le monde invisible. Allah subhanahu wa ta'ala descend une sérénité qui est aussi invisible, que tu ressens, qui est aussi invisible, que tu ressens, mais que tu ne vois pas. Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est dans le domaine psychique, les croix, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé d'argile, il a créé le corps d'argile, mais dans le corps, il a mis neuf, il a mis ce qu'on appelle l'esprit ruh, ok? Le corps plus ruh, tout ça, une nafs, c'est ça, nafs, ok? Un nafs, les bidahs, l'insan, comme ailleurs l'insan, quand tu regardes quelque chose avec ton œil que Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis, un nafs, indaha, wa nafsin, wa ma, sawaha, fa alhamaha, fujuraha, wa taqwa, sawaha, il l'a bien formaté, il l'a bien créé, Allah subhanahu wa ta'ala. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اي بصر الله سبحانه وتعالى يقول الغطاء on a élevé ton voix فبصرك ta vue est perçante quelle vue ce n'est pas la vue matérielle que nous avons بصرك النفساني c'est pour ça que des fois il y a les croix tu vois quelqu'un il y a quelque chose qui passe pas puis tu vois quelqu'un tout de suite يعني تتطابقون c'est ton nafs. C'est ton nefs qui reconnaît l'âme qui est en lui et qui est bien. Pourquoi ? Ils se sont connus là-haut. Vous avez vu ? Ça nous permet à nous, c'est un monde invisible qu'Allah nous explique le Coran et que le Rasul nous explique aussi. Et le Rasul fait le hadith, le Khalil. Yawm Badr, le jour de Badr, le prophète, ceux qui sont morts pendant la bataille, les Quraysh, ils les ont jetés dans un puits. Okay, on a jeté leur corps dans un puits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient 15 jours après. Il revient dans ce puits-là. Et puis il les appelle un par un. Il y a Shu'ba, il y a Utba, il y a Abel Hakam, il y a Fulan, il y a Fulan. Il les appelle un par un. Il y a Al-Wajadtum Mawa'adakum Rabbukum Haqqa. Avez-vous trouvé ce que votre Seigneur vous a promis ? Fa'inni qad wajadtum Mawa'adakum Rabbukum Haqqa. Et moi j'ai trouvé ce que mon Seigneur m'a promis. Et Omar il se tourne vers lui, il dit à Rasulallah, à tout le monde, mon Jief. Tu leur parles alors qu'ils sont des cadavres décomposés. Qala Wallah, ya Omar. Le prophète dit Wallah, innahum la yasma'ounani, kama tasma'ounani, walakin la yastati'ouni yujibun. Ils m'entendent quand vous m'entendez, mais ils ne peuvent pas répondre. Ils m'entendent avec quoi? Avec leur ruh, avec leur nafs, si vous voulez. Ok, les frères? Donc, as-salat, hiya mi'araj al-ruh. Men qala anna. وهذا ليس بثابت أيها الأخوة من قال أن الإسراء كان في رجب هذه أقوال لكن ليست ثابتة. On dit que le voyage nocturne a eu lieu في le mois de رجب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه الصيام. وكما تقول عائشة ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر صياما أكثر من رجب شعبان. قالوا ولما يا رسول الله قال ذلك شهر يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال. Il a dit le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait les jeûnes, c'était le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui viendra après Inch'Allah, dans 25 jours. Et le mois qui viendra après, c'est Sha'ban. Qal wali ma Rasulullah, car c'est un mois où les gens l'oublient, ils oublient ce mois-là. Et moi j'aime bien, et c'est un mois où il y a ce qu'on appelle le bilan de ton ami. Fi Sha'ban, ترفع أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى. De l'année précédente, de tout ce que nous avons fait, les frères. Tout ce que nous avons fait l'année précédente. وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Moi j'aime bien quand on présente mon dossier là-haut, alors ça, ça nous a dit que je sois en état de jeûne. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier faire Dieu ? Là, il se met son, il a qu'un instant de l'aide, il s'en est l'aide. Ah, il a qu'un instant, il y a son, il y a son, il y a son, il y a son, ou yassoum l'ithnin ou l'chamis, yassoum ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelque chose de spécifique, parce qu'il y a des gens qui font le 15 de Sha'ban, qui font le 27 de Rajab. Non, tout ça, l'homme te trimite la hadith biha la yu al-bikho. Ok ? Ça, c'était juste un rappel pour le mois de Rajab. Alors, j'ai reçu deux ou trois questions. Je reçois beaucoup, parce que j'essaie de vous en parler. Il y a un frère qui m'a parlé hier d'un médicament qu'on doit donner à un enfant parce qu'il est hyperactif. Bon, que dit l'islam sur ça ? Il dit que dit l'islam sur ça ? Que dit l'islam sur ça ? L'aslof la shay'l ibah. Ok. Donc la base dans notre religion, c'est quoi ?
la licité des choses. On a quel mot? Le mot amalat, c'est-à-dire dans le relationnel, dans tous les jours. Tout est licite, sauf si on a un texte. On est d'accord? Tout est licite. Il l'a marqué Allah subhanahu wa ta'ala, wa haram, on ne touche pas. Maintenant, si on doit prendre un médicament, que dit l'ulama? L'ulama, ils nous disent, si ce médicament n'a pas de contre-effet négatif, c'est-à-dire si tu prends un médicament et que ce médicament n'agit pas négativement sur toi, si le médecin il te dit que c'est un bon médicament, il n'y a pas de problème. Mais si le médicament il agit négativement ou il a un effet à base de quelque chose d'illicite, non. C'est tout. C'est aussi simple que ça, il va le faire. Bon, il y a un père qui me dit, moi je ne veux plus parler à ma fille, elle est partie avec quelqu'un qui n'est pas musulman, elle s'est mariée avec lui. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ailleurs? Pourquoi nos enfants, ils sont complètement à l'ouest? À qui la faute? À qui la faute? Alors, sur sa scène, il nous dit, apprenez à vos enfants la prière à 6 ans, 7 ans. Apprenez-leur la prière. À 7 ans, apprenez-leur la prière. Il ne faut pas les frapper, non. Le hadith de Wallah Kadribouhan, il ne faut pas les frapper. Apprends-lui. Fais la prière devant lui, qu'il vienne. Il a fait blanc au dos, il a 6 ans, 7 ans, ma'alif. Quand tu as l'audo, il va te faire l'audo. Toi, tu sais qu'il n'est pas l'audo, ma'alif, laisse-le. Il n'a pas fait l'Isha à 7 ans, ma'alif. Mais qu'il fasse la prière, qu'il apprenne que la prière, elle régule sa journée. Qu'il fasse la prière. Toi, tu l'amènes à faire la prière, parce qu'il a 6 ans, 7 ans, il ne comprend pas encore le sens. Laisse-le grandir, il comprendra le sens. Mais apprends-lui à réguler sa journée selon la prière et à donner une importance à la prière. Quand tu vois, toi, quand tu arrives la prière, tu cours à la mosquée, sa mère, elle se lève, elle va faire la prière. Crois-moi que les parents, ce sont l'exemple. Vous savez, quand vous êtes maître d'école, et s'il y en a des frères qui sont maîtres d'école, ils vous diront qu'ils savent tout ce qui se passe à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, ils reproduisent ce qui se passe à la maison. Ils reproduisent verbalement, ils reproduisent activement, avec l'action. C'est-à-dire, ils reproduisent, ils refont ce que les parents font. Simplement. Donc, si l'enfant grandit sans islam, il a un problème, il les croit. Ça, c'est la première. La seconde. Toi, tu lui apprends la prière. Ensuite, quand il grandit, il ne fait pas la prière. Ça, c'est... Après, c'est son problème avec Allah. Toi, même Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as fait ce que tu devais. L'insan, c'est-à-dire, on éduque nos enfants. Après, devant, si lui, il diverge, ou il divague, quand il grandit, ça, c'est son problème avec Allah. Mais toi, tu as fait ce que tu devais. Et le problème, il est là, quand on rencontre des fois aujourd'hui des jeunes, rien, on sait que ça n'est rien, rien. C'est même pas comment il s'appelle le prophète, Yanni, où il sait encore moins les compagnons. Mais parlez-lui de l'équipe de Barcelone ou de Madrid, vous allez voir. Hein? Vous allez voir. Donc, pourquoi une personne elle peut partir avec quelqu'un qui n'est pas musulman? Parce qu'elle ne mesure pas ce qu'elle fait. La personne ne mesure pas ce qu'elle fait, ne mesure pas l'aman que lui a donné Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on me demande à fatwa ce que je disais la dernière fois sur riba, tout ça, on ne sait pas ce que ça veut dire riba. Ça me demande à fatwa. Donc quand on ne sait pas ce que c'est, eh ben on fait n'importe quoi. On est stahin, billah subhanahu wa ta'ala. Notre vie, c'est quoi? C'est rien, rien. Moi, je n'ai pas de réponse, les frères. Une personne est partie, qu'est-ce que je vous dis? Je n'ai pas de réponse. Pareil, il y a des frères qui me disent, tu viens nous faire l'halal? Je dis, vous faites l'acte civil? Ils me disent, non, on ne va pas le faire. Et on ne veut pas le faire. Bon, alors, regardez voir quelqu'un d'autre. Moi, je fais pas. Il y a un frère, ses parents s'opposent parce qu'il veut épouser une femme qui est divorcée. Où est-ce qu'ils ont trouvé un texte où la fille dit qui c'est qui a dit? Vous avez vu, en fait, on a une mentalité qui est complètement à l'ouest par rapport à ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une jeune fille qui s'est mariée à 20 ans, qui n'a pas entendu avec son mari à 22 ans, le divorce. Khalas, on ferme la porte sur elle. Elle ne peut plus se marier. Et bien, si on fait ça, il va aller croire. Il n'y a qu'une facette, on fait l'alf. C'est ce que dit le prophète, ça, c'est là. La fille, vous savez, la fille à 30 ans, à 32 ans, elle vous dit, vous en avez vu, que j'ai besoin de ruqya. Elle n'a pas besoin de ruqya, c'est son corps qui veut enfanter. Elle n'a pas de shaitan en elle. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'être humain comme ça. Il faut qu'on arrête de mettre les barrières à nos enfants, les frères. Quand l'enfant il a 20 ans, la fille a 20 ans, il faut qu'elle marie. Il faut les marier. Si tu ne le maries pas, eh bien, il va aller sur autre chose. C'est normal, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé comme ça. Enfin, c'est pas normal d'aller sur autre chose, mais c'est normal qu'il essaie d'assouvir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en lui. Et comme si nous, on n'était pas en empereur, on n'avait pas 15 ans, on avait 20 ans. Faut pas, il faut qu'on change de mentalité, il faut qu'on arrive maintenant. À 20 ans, il faut marier l'enfant, il faut marier la fille.
الرسول صلى الله عليه وسلم يدي 3 شوز 3 شوز عجلوا بهن. On a dit combien de fois on a dit le hadith 3 شوز il faut faire vite. C'est quoi؟ يعني الصلاة إذا حضرت زين والجنازة يعني دفن الميت بارك الله فيك زين وتزويج البكر. Une fille qui atteint l'âge de puberté il faut la marier. C'est ce que dit le prophète. هذا هو ديننا أيها الإخوة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر ما يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يروي الصحابي الجليل، وإذا قلت لكم صحابي فسيندهش البعض، لكنه صحابي نعم، صحابي رضي الله عنه، نزلت فيه آيات بينات من الذكر الحكيم، وهو الصحابي وحشي بن حرب رضي الله عنه قاتل حمزة. يروي عن نفسه قال كنت عبدا حبشي جيت ان اسكلاف dans une famille on va pas citer parce que sinon ça va faire des noms dans une famille de Quraysh. قال فcelui qui me détenait son oncle est mort à la bataille de Badr et qu'il a été tué par Hamza. Il lui a dit Wahshi, et c'était quelqu'un qui lançait, qui savait lancer les lances, comme on dit. Il disait si tu arrives à tuer Hamza quand la bataille de Uhud se préparait, je te donnerai ta liberté. Quand je suis rentré en bataille, et je ne voulais que Hamza. فرأيته كالجمل الأورق، je l'ai vu comme un grand chameau qui balayait tout sur son passage. Et à chaque fois qu'il voyait quelqu'un, sache que ce quelqu'un est parti. قال فتواريت منه وراء صخرة أو وراء شجرة. Donc je me suis caché derrière une pierre ou derrière un arbre. Et quand je l'ai vu, j'ai pris ma lance et je l'ai lancée. دخلت من بطنه وخرجت من دبره. قال elle est sortie dans son dos. J'ai laissé comme ça jusqu'à ce qu'il soit mort. Je suis allé, j'ai repris ma lance et je suis parti. J'avais rien avec lui dans cette bataille que Hamza. Je suis parti. Dit le jour de la conquête de la Mecque, j'ai à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a Mecca. J'ai peur qu'il me tue. Donc je me suis enfui. Je suis allé à Thaqif, dans une tribu qui n'est pas loin de la mer. فَقَالَ لِي رَجُلْ إِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَقْتُلُ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ. Et il ne tue pas ses ennemis, sauf s'il lui déclare la guerre. قَالِ ذَهَبْ عِنْدَهُ وَأَسْلِمْ et déclare ton islam. Et il va te pardonner, t'inquiète. قَالَ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْمَدِينَةِ. Je suis allé le voir à Médine. قال حتى وصلت عنده يعني كنت je suis arrivé à hauteur de son épaule. Et là je lui dis السلام عليك يا رسول الله. قال وعليكم السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. قال اجلس أوحشي أنت؟ قال نعم. tu es وحشي؟ قال نعم. قال قل لي dis-moi comment tu as tué Hamza. raconte-moi comment tu as tué Hamza. قال فقصصت له القصة. Il lui a raconté ce qui s'est passé. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيب وجهك عني. Il faut pas que je te voie. Et regardez, en fait, ceux الذين يرون السيرة يقولون إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم غيب وجهك عني. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرى كان يرى قاتل عمه. Quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup son oncle. Et donc il voulait pas voir l'assassin de son oncle. Et il lui disait, détourne ton visage de moi. Faut pas que je te voie. Tu me dis salam, je te dis salam, mais. Fadahaba washi. Il pleurait. Il pleurait en disant, Allah subhanahu wa ta'ala, il me pardonnera jamais ce que j'ai fait. Il me pardonnera jamais. Fa'arsala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
فأرسل إلى وحشي وقال له: لقد أنزل الله فيك آيات بينات. الله سبحانه وتعالى لا descendu sur toi آيات، لا descendu آيات sur toi. قال: وما هي؟ يعني le messager du prophète صلى الله عليه وسلم. Il lui dit: الله سبحانه وتعالى descendu آيات. فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذ الله سبحانه وتعالى ويلقى فيها مهانة، يعني سورة الفرقان. قال: sauf ceux إلا من تاب، celui qui se repente وآمن، et qui croit، il est plein de foi، وعمل عملا صالحا، il fait de bonnes œuvres، فأولئك، ceux-là، الله سبحانه وتعالى transforme leur mauvaise action, bonne action. وكان الله غفورا رحيما. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. فقال وحشي: هذا شرط شديد. Ceci est quelque chose de lourd pour moi. Est-ce que je pourrais, moi, me repentir et faire que des bonnes œuvres jusqu'à la fin de ma vie? فعاد الرجل. Le gars est revenu chez le prophète صلى الله عليه وسلم. فقال له ما قال وحشي. Quelque temps après, Allah سبحانه وتعالى, il descend un autre verset sur lui. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dieu ne pardonne pas qu'on y associe quelque chose, mais à part cela, il pardonne tout. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إلى وحشي. قال: يا وحشي، إن الله أنزل فيك آيات بينات. قال: وما هي؟ قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Dieu ne pardonne rien à celui qui associe quelque chose, mais à part ça, il lui pardonne tout. قال وحشي: ذاك بمشيئة الله. Regardez comment ils comprennent. Les Arabes comprenaient la lecture du Coran. قال ذلك بمشيئة الله. Comme nous on dit Allah est pardonneur, effectivement Allah est pardonneur. Mais le pardon, il est entre ses mains, il n'est pas entre nos mains à nous, il est entre ses mains à lui. قال ذلك بمشيئته. فلا أدري هل يغفر لي أم لا يغفر. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي يعني هي أرجى آية في القرآن كما يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. قال الآن الآن. Quand Wahshi a appris ça, maintenant je reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. من هنا أيها الإخوة الإنسان قال العلماء الإنسان يتوب إلى الله. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله 100 مرة في اليوم. Le prophète صلى الله عليه وسلم se repentit à Allah 100 fois par jour. وَمِنَ التَّوْبَةِ التَّوْبَةِ هِيَ إِقْرَارٌ وَنَدَمٌ. الإنسان يندم على ما فعل ويعود إلى الله. وليست التوبة حين يصل الإنسان إلى الموت. Quand quelqu'un arrive, ما لم يغفر. يعني الله سبحانه وتعالى إنه parle de Pharaon. Quand Pharaon, il a vu que la mer se déployait sur lui, il a dit: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الله سبحانه وتعالى قال: non, maintenant c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. التوبه هي احساس بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى. التوبه هي اقرار بالذنب والاقرار على عدم العوده الى الذنب والعلم بان الله يغفر الذنوب جميعا. في سوره البقره ايها الاخوه هناك عده مسائل. يسالونك عن المحيض، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسالونك عن الاهله، يسالونك عن الخمر والميسر، الا ايه واحده. On te questionne sur les mois sacrés, sur les monstrues, sur les lunes. On te questionne. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل. Il répond au prophète et dit: dis. إلا في آية واحدة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Quand mes serviteurs te demandent après moi, dis-leur, je suis prêt. Et je réponds à celui qui m'envoie. Allah subhanahu wa ta'ala شرع التوبة ليتوب على عبدي. وطلب من الاستغفار. Il nous demande de faire l'istighfar. Pourquoi? Il y a fait la main pour nous pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala te dit: demande à Allah. Wa la tstahin bihi. Wa la tstahin bi du'aik. Wa la tstahin. Demande à Allah.
إياك نعبد وإياك نستعين. من العجيب أيها الإخوة، من العجيب نحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني دائما نستعين بالله، نتبلغون ندمدوا على يا الله. Quand on fait un projet, on fait tout ce qui est matériel et on oublie une chose, de demander la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait un projet, on veut vendre une maison, vendre une voiture, acheter quelque chose. On met tous les papiers, on va voir l'intermédiaire, on va voir l'association, on va voir le bureau d'études, on fait tout. Sauf demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, yoel ekhwa, c'est que si Allah il facilite, si Allah il veut te faciliter, tout sera facile pour toi. Si Allah il veut pas te faciliter, Allah tu mets toutes les choses de ton côté, ça ne marchera pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. Prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, au paradis il y a un marché tous les vendredis les gens du paradis vont à ce marché là et quand ils vont à ce marché, je vais la traduction. Il y a certes dans le paradis un marché auquel des gens se rendent chaque vendredi. Alors on va souffler un vent du nord, un vent du nord. Et un vent du nord chez les Arabes, kinaya, c'est-à-dire c'est une métaphore. Le vent du nord, c'est une brise qui apporte de la fraîcheur, si vous voulez. C'est ça. Un venant du nord qui va se répandre sur leur visage et leurs vêtements, ce qui va faire augmenter leur beauté et leur splendeur. Alors ils vont retourner auprès de leur famille en étant plus beaux et splendides. Et leurs épouses vont leur dire, par Allah, après nous, vous avez certes augmenté en beauté, en splendeur. Et aussi, ils vont dire à leurs épouses, et vous aussi, par Allah, vous avez certes augmenté en beauté, en splendeur. Rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, Akhrajahu ibn Abi Asim fi Kitab Sunnah, Nasa'id ibn Musayyib, qui était un tabi, c'est-à-dire un successeur, il a rencontré Abu Huraira, qui était un compagnon. فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. Je demande à Allah que nous rencontrons comme nous nous sommes rencontrés ici-bas, qu'il nous rencontre dans le marché du paradis. فقال سعيد أو فيها سوق؟ Il y a un marché au paradis؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit oui. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a donné l'information. إن أهل الجنة les gens du paradis إذا دخلوها بفضل أعمالهم وبفضل الله. Quand ils rentreront au paradis, avec ce qu'ils ont œuvré et avec la miséricorde de Dieu. فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. Donc on va quantifier les jours et on va décider que le jour du vendredi, ils auront une grande rencontre. مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ مَنْ. Qu'est-ce qu'ils vont voir à ce marché? فَيَزُورُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشُهُ. Ils verront le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur apparaître dans un jardin du paradis. Là où ils vont s'asseoir, il y aura de la lumière. Ils auront des assises en or, des assises en. En argent, le plus bas d'entre eux, et il n'y a pas de plus bas. Allah subhanahu wa ta'ala kulluhum. Donc les dunes du paradis, c'est du musc. Ma yarawna anna ashab al-kursi bi afdala minhum majlisa. Qala Abu Huraira radiyallahu anhu, wa hal nara rabbana? Qala na'am. قال أبو هريرة نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ Et ça c'est le prophète qui parle. Il dit vous avez vu la lune quand elle est pleine? Vous avez vu le soleil quand il n'y a pas de nuages? Est-ce que vous avez des difficultés à voir la lune ou à voir le soleil? Et bien quand vous voyez la lune aujourd'hui, quand vous voyez le soleil aujourd'hui, ce jour-là quand vous serez au paradis,
vous allez voir votre Seigneur. فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة فيقول له. Chaque fois qu'ils vont à cet entretien, Allah subhanahu wa ta'ala va parler avec chacun d'entre eux. يقربهم منه. Il va le rapprocher en lui disant, tu te rappelles tel jour et tel jour ce que tu avais fait. قال نعم يا رب ما غفرت لي. Tu m'as pardonné يا Allah. فيقول بل بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. C'est avec ma miséricorde que tu as atteint ce statut aujourd'hui. قال فبينهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا. طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. Pendant qu'ils sont comme ça, il y a un nuage qui passe et qui va pleuvoir sur eux du parfum. Ils n'ont jamais senti cette odeur auparavant. قال ثم يقول تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما شئتم. Levez-vous, parce que pour ce que je vous ai réservé et ce que je vous ai préparé comme générosité, et prenez ce que vous voulez. قال فيأتون سوقا. Ils arrivent, ils rentrent dans un marché. قد حفته الملائكة. Où les anges se sont déployés. فيها ما لا تنظر العيون إلى مثله. Donc dans ce marché, ils n'ont jamais vu ce qu'il y avait dedans. وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانِ. Ils n'ont jamais entendu ce qu'il y avait dedans. وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ. Jamais ils n'avaient pensé, ou une pensée de ce qu'il y avait dedans a effleuré leur esprit. فَيَحْمِلُونَ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ وَلَا يُشْتَرَى. Rien ne se vend là-bas et rien ne s'achète. وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. رواه الترمذي في صفة الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من التوابين. اجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. تولنا فيمن توليت. بارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من وليت. ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم وركعتكم.